Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du magazine Les Grandes Lignes. Artiste et art thérapeute, Coralie Piat exposée au Playground Codan Arts Center du 13 au 26 juin 2024. Cette première exposition solo, intitulée Causer, couleur moléquaire, couleur molavi, traduisait les convictions de cet artiste sur l'art comme moyen de guérison et d'épanouissement. Dans le même élan, Coralie Piat franchissait un nouveau cap dans son cheminement personnel. 150 œuvres de différentes tailles étaient réunies au Playground Codan Arts Center afin de raconter ses expériences et interrogations. Les peintures retranscrivaient la beauté naturelle de Rivière Noire tout en créant des paysages intérieurs composés d'émotions et de souvenirs. Alors Coralie, on va parler d'abord de cette exposition qui s'intitule « Causer, couleur moléquaire, couleur molavi ». Qu'est-ce qui se cache un peu? Quel est le parcours qui mène à cette exposition et à ce titre particulièrement? Alors, « causer », c'est vraiment rapporter, dire ce qu'on a vécu. Et pour moi, c'est super important de vraiment de relever l'importance d'avoir le droit et de revendiquer ce droit à se dire et de demander à ce soit écouté aussi quelque part. Et dans le causer, vous avez bien vu, il y a oser aussi, donc c'est assez un peu prendre les guts de se mettre en avant et de dire. Et quand on se dit, on donne le droit à vous autres aussi, en fait, de se tenir. Vous avez une vision bien particulière de l'art. Ça n'est pas un simple passe-temps, ça n'est pas une simple passion, mais bel et bien un moyen thérapeutique. Alors parlez-moi justement de cette, voilà, de votre dada artistique à vous. Bah, moi, je suis un thérapeute, donc pour moi, l'art a définitivement un espace. Il l'avait déjà avant qu'il devienne un thérapeute, c'est mon mode d'expression. J'aime beaucoup parler, mais je trouve rarement les mots pour dire les choses. Et je trouve qu'en image, on ne peut pas mentir en fait quand on dessine. Nos émotions sont vraiment reliées et ça s'exprime clairement sur le tableau, sur la toile, sur le papier que vous utilisez. Donc pour moi, c'est la thérapie en elle-même est vraiment un moteur, un espace où les gens peuvent se dire en douceur, genre, c'est sur le papier, c'est à l'extérieur, c'est pas avec nous. Parce que justement, des fois, l'art-thérapie, c'est un petit peu presque une antithèse de la psychothérapie, etc. Dans le sens que, voilà, on est moins axé sur les mots qui sont des fois très, presque rigides par rapport à l'art qui est beaucoup plus fluide. C'est deux outils qui sont différents dans leur approche, mais ça se ressemble énormément parce qu'on est quand même en thérapie. Mais l'art-thérapie donne une place à l'expression pour certaines personnes qui, comme moi, ont du mal à mettre les mots sur les choses, qui ont besoin de visualiser extérieurement pour pouvoir vraiment comprendre ce qui leur arrive et pouvoir le gérer vraiment avec une vision externe et pas tellement interne. Ensuite, ça devient interne parce que c'est toujours une introspection, une découverte de soi, mais voilà, d'avoir la vision externe, personnellement pour moi, en tant qu'art-thérapeute et en tant que personne, c'est beaucoup plus facile de décrypter toutes les petites choses. Pour cette exposition, vous avez quand même, vous proposez quand même une production assez prolifique, énorme, même qu'elle sort en dehors de cette salle. Jusqu'en bas, mais peut-être de mémoire, faites-moi un petit parcours de justement des différentes séries que vous proposez. Alors, il faut savoir que ce n'était pas prévu pour une exposition en tant que telle. C'est vraiment un processus de vie. Par exemple, tout ce qui est peinture à l'huile, j'ai choisi de faire peinture à l'huile parce que moi, par exemple, ça m'oblige à être patient. La peinture à l'huile prend du temps à sécher et ça me fait sortir un petit peu de ma personne. Et puis, il y a toutes les séries, les petits tableaux qui sont les kits que j'appelle, qui sont vraiment reçus de lâcher prise, de faire confiance au processus
et tous les petits blancs et noirs sont vraiment mon introspection. Parce que vraiment, c'est prendre le temps de se rappeler, de mettre ce qu'on a dans notre cœur sur papier. Cette série, c'est un petit peu changé au fur et à mesure, parce qu'il y a toute la série où elles sont rodées, où c'est vraiment, c'est mon patrimoine. Chez moi, de défendre les causes d'une manière ou d'une autre, plutôt bien ou comme elles veulent. Et pour moi, Code, c'est vraiment ce procédé de paix. Ça fait un peu mal de temps en temps, il y a des espèces pas très désagréables dans la vie, mais en même temps, c'est de reconnecter les uns avec les autres et de solidifier le lien en chaque partie de la vie. Vous aimez les matériaux tactiles. J'imagine que vous, par moment, vous utilisez des doigts, même le canevas, etc. Alors, pourquoi ce rapport tactile que vous avez avec vos créations? Ben d'abord, on est tous les êtres humains, on est des sens. On est tous nos triggers passent d'abord par nos sens. Disons que moi, en tant qu'artiste, je me suis pas posé la question de pourquoi j'aimais les textures et tout, parce que pour moi, ça. C'est vraiment c'est lié à ce que l'être humain organise. Pour les bébés, c'est l'odeur de la maman, c'est les bruits qu'on connaît autour de nous. C'est vraiment c'était ancré en nous. Donc pour moi, ça faisait sens d'être dans le sensoriel en majeure partie. Tamarin et Rivière Noire, qui est un peu votre lieu de naissance, et quelque chose de vital, d'omniprésent dans votre travail, je crois, je ne sais pas. Alors, parlez-moi de ça, cet attachement à l'endroit, aux éléments, aux phénomènes naturels qu'on y trouve, je ne sais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, la peinture à l'huile, pour moi, c'était la patience, mais c'était aussi la peinture à l'huile, ça s'ancre dans le temps. Et la majeure partie des peintures à l'huile, c'est vraiment c'est mes racines. C'est ce qui m'a façonné, c'est ce qui me donne de la force de voir, c'est les endroits. Ben, quand on se sent chez soi, quand on a un attachement qui est sécurisant, on peut vraiment sortir avec beaucoup plus de sécurité de sa zone de confort. Donc j'ai quand même commencé par faire ce que j'aimais, ce que je reconnaissais, les choses dans lesquelles j'ai bien l'aide, avant de pouvoir continuer dans mon processus. Autant que des paysages réels, j'imagine, vous avez aussi des paysages un peu oniriques, un peu sortis tout droit de l'imaginaire, alors, est-ce que vous faites la distinction, ce qui est réel, ou bien vous pensez que finalement tout est issu du même élan? On a besoin d'avoir un peu d'imaginaire, parce que si on n'a pas d'imagination, entre guillemets, avec peu de choses à faire comme pour, c'est difficile quand on se retrouve dans des situations difficiles d'imaginer une solution à nos difficultés. Mes paysages imaginaires, c'est vraiment là où j'aurais aimé être. Je trouve que tristement, de nos jours, on est tellement envahi par tout ce qui est odeur, le trafic et tout, que j'avais besoin un peu d'être dans l'imaginaire où il n'y avait pas de grande habitation et des choses technologiques, on va dire. On va parler un petit peu des formats que vous proposez. Donc, il y a des grands formats, il y a des explorations par rapport à des matériaux comme le fer forgé, etc. Après, plus particulièrement, il y a des petits formats que vous appelez des miniatures, dont parmi des stitches qui sont derniers. Alors, ce jeu de formats, c'est intentionnel? C'est intentionnel et ils ont une vie propre à eux. C'est pas un ou l'autre. Et c'est trouvé que. Pour certains, je vais prendre le risque d'aller un peu prendre sortir ma zone de confort encore une fois. Les fers forgés, encore une fois, c'est le patrimoine, c'est des vieilles potes chinées et tout. Donc, on s'est décidé de patrimoine est important de nos racines et tout. Et plus petits fers forgés, parce que c'est sécurisant en fait, les petits fers forgés. Surtout que si vous avez bien, il y a pour moi un ou deux câbles autour
Alors, plus j'ai de cadre, plus je me sens en sécurité et plus je peux m'exprimer librement, ce qui est un peu un paradoxe, mais c'est bon, exceptionnel même. C'est un besoin chez l'artiste finalement d'avoir de grands élans relâchés après d'autres moments très, très, méticuleux, pointilleux, etc. Bah, moi j'appelle ça les petits moments. En fait, c'est les moments où c'est plus cocooning, où vraiment je sens très chez moi, chez l'œuvre qui est devant moi. Mais c'est vrai que oui, on a besoin aussi d'avoir un élan et de pouvoir se lâcher sur cette affaire. Bah, ouais. Vous vous situez aussi dans un élan, dans une tradition, dans une sorte d'héritage par rapport à des femmes qu'ils ont précédées, etc. Ça se retrouve un peu dans vos tableaux, de bonne façon, j'imagine. Parlez-moi de ça. J'ai des endroits qui sont très forts, qui donnent l'espace aux femmes, on va dire. Mais moi, j'ai toujours revendiqué l'espace de la femme dans ma lignée, dans ma famille et chez moi. Pour moi, c'est très important par la maternité. C'est souvent la femme qui a cet espace de vraiment de connecter les uns avec les autres. Et en tous les cas, dans mon histoire à moi, c'est les femmes qui ont posé leur marque un peu partout et qui m'ont aidé à grandir, à devenir celle que je suis aujourd'hui. Il y a énormément de motifs sur la maternité, si vous regardez bien. Pas seulement la maternité, la femme qui enfante, mais justement ce lien qu'il y a avec les autres, la mère nature, j'ai envie de dire. On sort tous de là. Mais il y a, si vous cherchez bien, vous trouvez. Dans chaque tableau, il y a au moins une mention. Pratiquer dans un lieu qui s'appelle l'art de soi, donc parlez-moi de l'art de soi, sans bien sûr être trop indiscrète par rapport à d'autres personnes, voilà. Mais qu'est-ce que vous y faites? Pourquoi les gens viennent vous voir et qu'est-ce que, voilà, comment finalement ce parcours les accompagne Alors, l'art de soi n'est pas un endroit en tant que tel. J'ai mon cabinet à moi, mais l'art de soi, c'est vraiment, pour moi, c'est chaque personne en fait, a en lui la capacité d'aller mieux. Et j'ai envie de dire, une fois qu'on trouve vraiment l'artiste, le créateur, l'imaginaire qui est en soi, on a chacun son thérapeute en fait. Et moi, je guide les gens dans leur propre processus à aller mieux. Parlez-moi de cette exposition, comment vous la situez dans votre parcours artistique et est-ce que vous aviez des attentes depuis l'ouverture? Quelle a été un peu la réception? Je me suis vraiment laissée porter par tout ce qui est arrivé. Je suis un strong believer que les choses arrivent au bon moment. Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi un peu le processus. Moi, je trouve que j'ai réussi parce que mon but, c'était vraiment que les gens ressentent, pas automatiquement ce que moi j'ai mis, mais que vraiment ça fasse un lien avec eux, que ça fasse un miroir à leur vie et qu'ils puissent ressentir ce que eux voulaient voir, ressentir dans mes œuvres à moi. Et jusqu'à là, je dois dire que j'ai eu des commentaires qui m'ont fait vraiment super plaisir, bien chaud au cœur, parce qu'ils ont bien traduit en fait les émotions qu'il y avait et comment eux ça leur parle à eux, donc c'est génial. Coralie Piat anime des ateliers d'art-thérapie à travers son cabinet baptisé L'Art de Soi. Vous pouvez vous renseigner sur ses activités et services sur sa page Facebook L'Art de Soi.
Flashback maintenant à travers une petite pépite inédite que nous avons retrouvée. Du 16 au 20 février 2024, et oui, aussi loin que cela, Dakshita Art Mauritius, branche locale d'une association indienne, proposait une première exposition collective en présentiel au Plaza Rosil. Évoluant sous la houlette d'Anjana Ramdin Bujawan, Dakshita Art Mauritius s'est constitué en 2020 durant le confinement afin de proposer une plateforme d'exposition en ligne aux artistes mauriciens. Cette manifestation, intitulée Celebration of Art, rassemblait les œuvres d'une bonne trentaine d'artistes de chez nous aux pratiques et aux techniques diverses. Incursion. Alors Anjana, voilà, en février, Dakshita Art. Dakshita Art qui organise une exposition au Plaza. Mm-hmm. Vous pensez, bon, il y en a beaucoup d'artistes qui participaient, donc c'était peut-être un moment assez important, parce que, bon, bien sûr, Dakshita Fini organise beaucoup d'expositions en ligne, mais ça, c'était quand même une exposition physique, et voilà, raconte-moi un peu ce qui avait mené à cette exposition. Donc, Dakshita, c'est vrai, c'est la première expo qu'on a organisée. Après plusieurs expositions en ligne. Donc, au fait, le thème de l'exposition, c'était Celebration of Art. Il y avait une trentaine d'artistes qui avaient participé. 30 artistes, 30 styles, avec la sculpture, etc. Donc, au fait, pourquoi Celebration of Art? Parce que c'est pas seulement le jour de l'ouverture, donc il y avait les artistes peintres, il y avait les sculpteurs, mais j'avais aussi invité des performing artists. Donc des performing artists qui ont fait leur nom. Par exemple, il y a Trishti Touri qui est une très bonne Kathak dancer. Vous avez Nérienne qui est un très bon tabla player et plusieurs autres artistes. J'avais envie, au fait, à travers cette expo, de donner la valeur aux artistes. Faire une exposition, c'est important. Donner l'importance aux tableaux, c'est important. Mais donner l'importance aux artistes, c'est également important. Donc, célébrer l'artiste à travers cette exposition, c'était le but de Celebration of Art. J'ai eu plusieurs encouragements. Il y a même des artistes qui m'ont demandé c'est quand la prochaine. Il y aura une prochaine, bien sûr. C'était vraiment un challenge pour moi parce que j'avais aussi participé dans les expositions en Inde. Donc j'ai voulu emmener un petit peu mon expérience que j'ai eue en Inde, un petit pourcent. Et tous les artistes ont très bien apprécié. Donc voilà, cette exposition s'est tenue au Plaza qui a été un lieu important historiquement pour la culture, pour les arts. Il y a beaucoup d'années, cela, il y avait la galerie Max Müller à côté. Après, il y a eu pas mal d'expositions qui ont été faites dans cet espace-là. Alors, est-ce que l'espace était important, symbolique peut-être pour vous? Oui, c'était symbolique. Au fait, pour vous dire franchement, j'ai cherché un peu d'autres places pour faire l'expo, c'était assez difficile. J'ai attendu au moins 4 ans. Mais là, j'ai envoyé mon application au Plaza. Merci à l'organisation qui m'a aidée. Donc, et aussi, bien sûr, avec l'historique du Plaza qui a vraiment cadré comme si... l'expo avec le Celebration of Art, donc ça a vraiment match.
Donc parlez-moi un peu justement de parcours, du parcours de Dakshita Art et ben, des différents artistes. Est-ce qu'il y a maintenant des regulars qui, voilà, qui sont un peu dans le même... Oui, au fait, pourquoi Dakshita Art? Parce que j'étais la première Mauricienne à participer dans Dakshita Art au Delhi. Donc quand ils ont vu mes tableaux, ils ont vu quel style que je fais, donc ils m'ont approchée pour essayer de représenter Dakshita Art à Maurice. Donc j'ai dit oui, mais bien sûr il y avait Omar Assès pour voir si j'étais capable. Donc quand ils ont vu le type d'artistes qui sont en train de participer dans l'exposition en ligne, donc après 3 ou 4 expos en ligne, donc il y a plusieurs artistes qui ont participé, de très bons artistes. Et là, ils m'ont mis responsable de Dakshita Art à Maurice. Et en fait, justement, à Maurice, surtout, on voit souvent que les artistes souvent ben, se réunissent en association parce que peut-être collectivement, c'est un peu plus encourageant de pouvoir s'épauler, de pouvoir organiser des choses. C'est important. Au fait, je dois dire un grand bravo au groupe Calm qui fait un très grand travail. Il y a le groupe Calm et aussi il y a le groupe Art Inspire qui fait un très bon travail pour réunir tous les artistes qu'il y a à Maurice. Donc la réunification des artistes, c'est important parce que c'est un peu le partage, parce que chacun a son style. Donc le but, c'est de partager, d'apprendre, surtout de partager, c'est d'apprendre. C'est une émotion de partager les émotions, de partager les styles, d'apprendre. Donc c'est ça le but, de réunir tous les artistes, de savoir, voilà, c'est une famille. Il y a plusieurs artistes, il y a des artistes aussi qui m'ont écrit pour me dire qu'ils ont plusieurs dessins, ils ont fait plusieurs tableaux, mais ils n'ont pas, ils savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas la facilité pour montrer ce qu'ils peuvent faire. Donc ils ont participé dans mon expo et il y en a plusieurs, il y a les adultes comme les enfants. Qui ont participé, il y a des enfants de 4 ans qui sont vraiment vraiment talentueux qui ont participé et donc voilà, c'est un peu le but de Dakshita. Pas seulement de mettre en valeur les artistes qui sont déjà connus, mais les artistes qui se cachent. C'est ça mon but, de les faire remonter, de montrer leur talent. Avec 4 expositions en ligne et une exposition en présentiel à son actif, Dakshita Art Mauritius compte un portfolio éloquent et continue de créer des opportunités d'exposition pour les artistes sur le web. Point final à cette édition. À bientôt, restez en ligne. We'll be right back.